abaturage b'igihugu cyacu abari imbere n'abari hanze mu mpande nye z'isi yose. This is the time, umwanya ni uyu wo kwigobotora ingoma y'igitugu ibakandamiza ikababuza uburenganzira bwayo. This is the time, duhaguruke duharanire ineza yabo. Peace and freedom. Ese wemera ubutegetsi bw'i Rwanda bukayitesha amahirwe yo kwizera ejo hazaza? Échange sans tabou. Échange sans tabou est une émission de la radio Itaruka qui vous est préparée et présentée par Axel Kanijavo. Plutôt que de se concentrer sur la relance socio-économique de son pays, ravagé sur tous les plans par la pandémie du COVID-19, à laquelle s'ajoute la décadence des droits de l'homme quasi inexistants dans ce petit pays de la région des Grands Lacs africains, aux 26 000 km², le président rwandais, Paul Kagame, au pouvoir depuis plus de 27 ans, semble plutôt préoccupé par le sort de ceux qui ont fui son pays pour se mettre à l'abri de ses innombrables performances en matière de cruauté devenues malheureusement célèbres à travers le monde entier. Dans cette émission, avec notre invité, nous allons faire une analyse du paysage sociopolitique de ce pays aux mille collines. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre studio un économiste chevronné, professeur dans diverses universités canadiennes, mais qui est aussi deuxième vice-coordinateur du Congrès national rwandais, RNC, un parti d'opposition au gouvernement rwandais opérant en exil. Docteur Emmanuel Hakizimana, bonjour. Bonjour, monsieur Axel, et merci de m'accueillir dans votre émission. Merci beaucoup. Nous sommes enchantés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans son dernier discours prononcé lors d'une réunion des leaders d'opinion au nord du Rwanda, le président Kagame a dit, et je cite, « Si vous regardez les années passées, depuis 1990, puis 1995, 96, 97, 98, jusqu'à l'an 2000-2001, notre cheminement vers 2010, nous avions ceux qui construisaient et ceux qui détruisaient, nous avions ces gens qui tiraient vers le bas, c'est-à-dire ceux-là qui détruisaient. Nous les connaissons, vous les connaissez tous, nous avons vécu ensemble, ils ont habité parmi nous, nous les connaissons. Peu d'entre eux sont ici et beaucoup sont partis, ils ont décidé de partir. De qui le président Kagame parle-t-il et qu'il considère comme des forces destructrices, Dr. Emmanuel Hakizimana? Oui, merci Axel. J'ai effectivement moi aussi entendu ce discours. Mais regardons d'abord ceux qui ont fui le pays sur la période 1995-2010. Il s'agit de personnes qui dénonçaient la violation des droits de la personne et d'autres pratiques répressives. Ce sont de ces gens-là dont parle le président Kagame. Ils se retrouvent dans toutes les catégories de la population. Il y a des ministres, des officiers supérieurs, des journalistes, des membres d'organisations de défense des droits de la personne et bien d'autres. Certains d'entre eux, comme l'ancien ministre Sete Dashonga et le colonel Patrick Karegeya, ont été assassinés par le régime de Kigali. D'autres, comme l'ancien premier ministre Faustin Twagiramungu et l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Kayumba Nyamwasa, sont dans des partis d'opposition qui luttent pour l'instauration de l'état de droit et de la démocratie au Rwanda. Alors, le fait que le président Kagame considère ces personnes comme des forces destructrice est en lui-même l'explication de tout le drame que le Rwanda vit actuellement. Les personnes qui luttent pour les valeurs universellement reconnues comme indispensables pour l'unité et la paix sont actuellement considérées comme indésirables au Rwanda. Et c'est là que se trouve le nœud du problème rwandais. Eh bien, le président Kagame a aussi dit, et je cite encore, certains étaient des ministres, les autres étaient des dirigeants militaires du rang de général. Saviez-vous à quel point un général est une personne de grande importance? Mais là où ils sont partis, il n'y a personne, mais alors personne, qui vit mieux qu'avant qu'ils ne partent. Il n'y a personne. Si vous en connaissez un, laissez-moi savoir. Personne n'a eu de la chance, et puis le président Kagame d'ajouter,
Quand ils arrivent à l'étranger, ils peinent à trouver du travail. Ils regressent au point qu'il leur est difficile de trouver un logement ou quelqu'un pour leur donner à manger. Ils doivent trouver un mensonge à offrir. Selon vous, pourquoi est-ce que le président Kagame a tenu à préciser que les personnes qui fuient le pays vivent dans des conditions déplorables et que par ailleurs, ils doivent recourir aux mensonges pour survivre? Eh bien, le président Kagame est ici fidèle à lui-même dans sa stratégie de diriger par la peur. Il veut dire aux leaders d'opinion qui étaient dans la conférence qu'ils ont intérêt à ne pas fuir le pays parce que leur niveau de vie risquerait de se détériorer. Mais cette stratégie est une arme à double tranchant. En disant que des gens qui étaient des ministres, des généraux, ont décidé d'abandonner tout le confort matériel dont ils jouissaient et de partir en exil où ils vivent, d'après lui, dans des conditions déplorables, le président Kagame donne lui-même la mesure de la gravité de la situation qui prévaut au Rwanda. Il indique, sans le vouloir certainement, que son régime est tellement mauvais qu'aucun confort matériel ne suffirait pour compenser la terreur qu'il inspire. Et de fait, le Rwanda est classé parmi les pires pays au monde à plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau de l'indice du bonheur, il est classé au 162e rang sur 165 pays, donc parmi les trois derniers pays où les gens sont heureux de vivre. Au niveau de l'indice de démocratie, le régime du président Kagame est considéré comme un régime autoritaire et se classe au 130e rang. Et au niveau de la liberté de presse, il est considéré comme un prédateur et se classe au 150e rang. Donc tout cela montre que, contrairement à ce qu'il prétend, les Rwandais n'ont pas besoin de mentir lorsqu'ils demandent l'asile. Ces données et beaucoup d'autres faits documentés sur la violation des droits de la personne sont connus de tous et parlent d'eux-mêmes. Et toujours dans son discours, faisant allusion aux pays qui ont accueilli les réfugiés rwandais, le président Kagame les accuse de répéter la même chanson que celle de ceux qui ont fui le pays en propageant des insultes. Et dans un regard dédaigneux, il dit « Les insultes n'ont jamais tué personne. Dites-moi celui qui est mort à la suite des insultes. Les insultes ne tuent pas. » À quelle analyse faites-vous de ce passage du discours du président Kagame, Dr. Emmanuel Hakizimana? À travers ce passage, le président Kagame reconnaît lui-même qu'il est en très mauvaise posture sur le terrain diplomatique. Et le contexte dans lequel il a tenu son discours justifie aussi son énervement. Alors, il faut se rappeler que trois jours avant la tenue de son discours, la Chambre belge des représentants avait déposé une résolution au sujet de l'affaire Rousseff Badina qui a été kidnappée à Dubaï et qui est maintenant incarcérée à Kigali. Cette résolution demandait au gouvernement belge de discuter avec le Rwanda non seulement du rapatriement de Rousseff Badina, mais aussi d'insister auprès des autorités rwandaises pour que des enquêtes crédibles et approfondies soient menées au sujet des accusations d'exécution extrajudiciaire, de disparition forcée, de détention arbitraire et de mauvais traitements pour que les auteurs présumés soient poursuivis. Donc, le président Kagame est maintenant acculé au mur sur le plan diplomatique et la Belgique est loin d'être le seul pays à placer les droits de la personne au centre de ses relations avec le Rwanda. Et il sait très bien que l'opposition extérieure y est pour beaucoup. Toujours dans son discours concernant le cas des réfugiés rwandais, le président Kagame dit qu'il y a des gens vivant dans les pays voisins qui veulent mener une lutte visant à faire tomber le pouvoir en place et le remplacer avec le leur. Et puis d'ajouter, parmi ceux-là, il n'en reste que trop peu. D'autres qui ont tenté de le faire, nous avons une usine qui les accueille et nous les mettons là où ils doivent être. Que pouvez-vous nous dire au sujet des relations du Rwanda avec le pays voisin, Dr. Emmanuel Hakizimana? Eh bien, le Rwanda a de très mauvaises relations avec les pays voisins. Il a fermé ses frontières avec l'Ouganda et le Burundi, qu'il accuse d'héberger des opposants, mais même ses relations avec la République démocratique du Congo,
qui s'était réchauffé avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi semble s'être refroidi depuis que le président Kagame a dit le mois dernier que, contrairement aux affirmations du rapport mapping des Nations Unies, il n'y a eu aucune victime au Congo pendant les guerres qui s'y sont déroulées, notamment en 1996 et en 1998. Ce sont des déclarations qui ont fortement choqué, et avec raison, tous les Congolais et toutes les personnes soucieuses du respect des droits de la personne. Et très récemment aussi, l'Ouganda et le Burundi se sont mis d'accord sur la construction d'une route qui leur permettra de faire acheminer des marchandises d'un pays à l'autre en contournant le Rwanda et en passant par le nord de la Tanzanie. Bref, le Rwanda vit actuellement en total isolement vis-à-vis des pays limitrophes. Pour terminer, étant donné que le président Kagame est revenu plusieurs fois sur les activités des personnes qui ont fui le pays, je voudrais vous demander quelle est la part de l'opposition rwandaise en exil dans le dossier de la diplomatie avec le Rwanda. Comme le président Kagame l'a lui-même implicitement reconnu dans son discours, l'opposition rwandaise a fait de grandes percées au niveau diplomatique. À travers des actions systématiques et concertées, l'opposition rwandaise a éclairé la communauté internationale, notamment au sujet des graves violations des droits de la personne, de l'absence de la démocratie et même au niveau des grandes inégalités qui prévalent au Rwanda. Mais nous ne sommes pas arrêtés seulement aux dénonciations des pratiques dictatoriales du régime de Kigali. Nous avons aussi montré aux pays partenaires du Rwanda et aux organismes internationaux que nous avons un plan de sortie de crise. Entre autres, nous leur avons demandé de nous aider à dialoguer avec le régime de Kigali pour chercher une solution pacifique à la crise rwandaise. Nous leur avons également présenté un plan de société montrant que l'opposition rwandaise représente une alternative crédible au régime actuel, capable de garantir la paix, la réconciliation et la prospérité au peuple rwandais, ainsi que de rétablir de bonnes relations entre le Rwanda et les autres pays. Merci infiniment, Dr. Manuel Hakizimana, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Échange sans tabou. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste et professeur dans de nombreuses universités canadiennes et également deuxième vice-coordinateur du Congrès national rwandais, un parti d'opposition au régime de Paul Kagame opérant en exil, et vous nous parliez depuis Montréal au Canada. Un grand merci également à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent et de tous les points du monde. Que le Seigneur de bonté vous garde et vous protège. Dans le studio de la radio Itaruka, vous étiez en compagnie d'Axel Kanijabo. Au revoir. Abaturage b'igihugu cyacu abari imbere n'abari hanze mu mpande nye z'isi yose. This is the time. Umwanya n'uyu wo kwigobotora ingoma y'igitugu ibakandamiza ikababuza uburenganzira bwayo. This is the time. Muhaguruke duharanire ineza yabo. Peace and freedom. Ese wemera ubutegetsi bw'ibarubanda bukayitesha amahirwe yo kwizera ejo hazaza?